Notre nation est en péril. Notre pays, notre unité nationale, notre souveraineté, notre indépendance sont sérieusement menacées. La nouvelle agression armée dont est victime notre pays ne cesse de prendre de l'ampleur du jour au lendemain. La guerre est dans nos mires. Nos compatriotes souffrent. Ils sont obligés de quitter leurs villages, villes et cités. Et ils sont abandonnés à leur triste sort, à la merci de toutes les intempéries. Nos vaillants militaires des FARDC tombent au quotidien, armes à la main et de manière héroïque, sur les différents fronts actuellement en cours dans la province du Nord Kivu. Les nouvelles provenant des différents fronts ne sont guère bonnes pour notre pays. L'ennemi avance et menace très sérieusement tout ce que nous avons de plus cher et de commun. Les Congos, notre nation. Les ennemis sont bel et bien connus et identifiés. Mais malheureusement, nous continuons, du moins ceux qui ont pour mission régalienne de nous protéger, continuent à leur faire confiance en faisant même d'eux des partenaires militaires sur notre sol. Face à cette énième agression et vu l'ampleur que prend cette nouvelle guerre, devant Dieu et l'histoire, l'heure est à la mobilisation générale et tous azimuts. C'est pourquoi, sur demande de toute la population du Sud Kivu, la société civile, dans sa diversité, invite toutes les forces vives à observer une demi-journée sans travail et à participer à une méga-marche pacifique de protestation contre cette énième agression de notre pays par le Rwanda et l'Ouganda avec la bénédiction des États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et la France. Cette marche aura donc lieu ce mercredi 2 novembre à partir de 9h. Pour ce faire, nous demandons à tout le monde de se comporter en bon citoyen. Toutes les forces vives sont invitées à participer à cette activité pour dire notre désapprobation. Nous citons ici la SECO, tous les marchés urbains, les motards, les écoles, les universités, les boutiques et toute autre activité de cesser sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu. Nous en appelons à tous nos collègues qui sont dans les territoires, de Fizi à Kalehe, tout le monde aussi à se mobiliser pour dire non à cette agression, car trop c'est trop. Ainsi, la marche partira du rond-point Major Vangu jusqu'au rond-point Muziiwa comme point des jonctions, et nous irons jusque à la place Feu Rouge pour les jeunes de ceux qui viendront des Bagira et des Kadutu, et nous chuterons vers le gouvernement des provinces où un message sera adressé à la communauté internationale à travers notre chef de l'État. Nous comptons spécialement sur le patriotisme des journalistes pour relayer ces messages dans tous les réseaux des médias ouverts, audio et télévision. Réaffirmer notre attachement indissoluble à l'unité nationale du Congo, à la sauvegarde de son indépendance et intégrité territoriale. 2. Réaffirmer notre soutien indéfectible à nos vaillants militaires des FARDC et tous les services de sécurité. 3. Exprimer avec force notre condamnation totale de cette énième agression du Congo de la part de ses voisins, le Rwanda et l'Ouganda. 4. Condamner et fustiger l'hypocrisie de la communauté internationale et de toutes ces organisations régionales et sous-régionales qui abusent de la bonne foi des autorités congolaises. 5. Lancer une mobilisation générale de l'ensemble du peuple congolais pour une défense collective de notre pays, et cela par tous les moyens possibles. Et 6. Enfin, la fermeture des frontières avec tous ces pays agresseurs. Congolais et Congolaises unis, nous sommes imbattables.